Après 15 ans d'activité dans une rue adjacente à la rue Alsace-Lorraine, ce commerçant a plié boutique début août et a dû licencier 3 personnes. Sa clientèle et son chiffre d'affaires ont baissé de 30% ces 3 dernières années. Et ce n'est pas seulement lié à la crise ou aux produits qu'il vendait. Ça peut expliquer les 20% du problème. D'accord, soit. Mais il est clair que nous observons une baisse du nombre de chalands est évidente. Et les gens nous le disent eux-mêmes, que lassés par les travaux et fatigués par le problème de circulation, par les travaux incessants, les trottoirs très étroits, les barrières permanentes, les trous dans la chaussée, les gens ne s'y retrouvent plus. Les commerçants indépendants sont les plus touchés par les travaux rue Alsace-Lorraine et doivent cesser leur activité. Cet agent immobilier spécialisé dans la vente de fonds de commerce a constaté une augmentation de 10 à 15% du nombre de transactions sur cet axe. Je pense que c'est dû aux travaux aux deux tiers, une raison de 60% à peu près. Un peu plus, mais il y a beaucoup de choses aussi qui se passent, c'est que les loyers ont augmenté et il y a des indépendants qui tiennent plus le coup. Pour faire face à la baisse de leur chiffre d'affaires, certains commerçants demanderaient à être indemnisés par la municipalité. À Toulouse, dans le cas du métro ou dans le cas du tramway, il existe des processus d'indemnisation qui n'existent pas dans le cadre d'un raménagement des espaces publics. C'est une obligation pour les villes que d'entretenir et de refaire l'espace public. Et aucune ville en France aujourd'hui, sur ce type de travaux, n'a mis en place des procédures d'indemnisation. Les commerçants devront donc tenir jusqu'en mars 2012 d'Esquirol au Square Charles de Gaulle et jusqu'en 2013 sur la partie sud de la rue pour que s'achèvent les travaux et que les ventes s'envolent. Car selon la ville, avant les travaux, la piétonnisation de la rue Alsace-Lorraine avait favorisé la hausse des chiffres d'affaires des commerçants.